Alors oui bonsoir à tous mes frères et mes sœurs mauriciens, mauriciennes. Amen. En n'importe qui place, qu'il endroit, je trouve vous même dans l'île. Que vous êtes, que vous soyez dans le nord, dans le sud, dans l'est, dans l'ouest de l'île, ou sur le central plateau, que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui sont dans euh, capital à ah, pour lui que Dieu vous bénisse Amen Rochebois Sainte-Croix euh, Monté Pamplemousse Amen Exact etc Amen Grand B Grand Gob euh, Pérébé Cap Malheureux etc Saint François Que Dieu vous bénisse Amen Ceux qui sont en flac Que Dieu vous bénisse En Suillac, Que Dieu vous bénisse Tamarin Que Dieu vous bénisse Tu -pip, Floréal, pipe Floreal Phoenix, Midlands <coughs> Dieu, que Dieu vous bénisse. Amen. Ceux qui sont à handicap, que Dieu vous bénisse. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Le Seigneur lit bon. Amen. Et le Seigneur lit content. Nous apprécions beaucoup. Amen. Nous remercions le Seigneur pour la vie et pour ce que Dieu peut faire dans la vie. Amen. Tous ceux qui sont en Europe, que Dieu vous bénisse. Ceux qui sont dans l'Amérique du Nord, que Dieu vous bénisse. En Australie, que Dieu vous bénisse. Dans les îles, que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Bonsoir à tous. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Jessicaine. Amen. Bonsoir Joseline. Amen. Bonsoir Jessica. Bonsoir Rachel. Chandrani, Rudrani, Sonia. Compliment à ma tante Linda. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Ok. Très occupé ce dernier temps. Euh, depuis, depuis dimanche jusqu'à. Un euh, vous là, là, c'est mon 15e prédication depuis dimanche. 15e prédication. Alors, le Seigneur, lui est bon, le Seigneur, est bon. Ne peignez avec eux, le moyen de guérison. Alors, rapidement. Alors, bonsoir Jerry, bonsoir Rudy, bonsoir Ezekiel. Amen. Que le Seigneur te bénisse. OK, rapidement les trois tis annonces. Si tu plaît, que tu te avec notre YouTube channel. subscribe avec notre YouTube channel. Amen. Et pas oublier, press notification bell. Et comme je connais, nous avons un nouveau Faithful Radio. Amen. Toutes les semaines, le, le, le podcast, je suis capable de gagner un podcast, le podcast. iTunes, Spotify, Google Play, euh, Radio Public. Amen. Euh, Alors là, les gratuits, les gratuits. Je suis capable d'abonner là Et tous les semaines, je peux gagner un nouveau message. Euh, et ensuite, n'oubliez pas que cette semaine-ci, que ce soit le monde anglophone, le plateau anglophone, soit le plateau... Francophone ne pécoge lors de Mines le moyen de guérison très important que je comprends ça. Et ensuite nous peut propose cette livre euh, en version healing belongs to you. Malheureusement, il n'est pas en français cette livre, les simplement en anglais, mais si tu comprends anglais es capable à te lire directement leur nouveau site web slash shop et je capable download le mon ebook. Amen. Je capable de le mon ebook book ou soit c'est le livre. De toute façon, mon pavine Maurice en juin pour 4 jours, 4 à 5 jours. Amen. Nous allons appeler Maurice. Ok Maintenant, Sapuzot, Healing 101 Promises for You, 101 Promises, 101 Promesses pour vous. Il y en anglais. Alors écoute bien maintenant, ça, je êtes capable d'en lire gratuitement. Si tu connais quelqu'un qui besoin de la, euh, la guérison, Amen. Soit tu même besoin de la guérison, la santé divine, tu es capable de download ça pour toi comme un, les, les cadeaux. Alors tu suives le link l'autre l'écran grand forward slash showgift et es obligé d'écrire le code showgift comme ça tu es capable de download ça sans un promises. Les différents qui euh, le livre à vendre c'est ça ça n'a un livre belong, healing Belong healing You, tu ça pas gratuit mais celle-là lit gratuit ok c'est 101 promises for you lit gratuit je suis capable je bien saisir le code suivre le, l'instruction le, LOW, euh, LOW, euh, l'écran et je suis capable check le out ok c'est pas que on vient en partner avec nous mais venir partner avec nous je peux être béni 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 Amen, le Seigneur bénit D'ailleurs, nous commençons l'église dans Floride et ça pérille bien. Amen, nous, nous remercions le Seigneur. Cette semaine-ci, je me Floride et puis la semaine prochaine, je me en Afrique. Alors, je te semence dans l'évangile. Amen, l'évangile amen, entier le monde. Amen, amen, amen. Maintenant, n'oublie pas qu'aujourd'hui, après deux heures de l'après-midi ici, en Amérique, entre deux heures, entre 14h et 15h, Uh, time Management Manifesto, l'IPU disponible, Amen, à partir en, entre 14 à 15 h l'Amérique. Okay? Parce qu'il y a l'Iloan Timer, ça, et l'IPU, là. Ce qui peut encore faire, c'est que euh, euh, je suis capable de causer avec le frère Rudy à Maurice. Le frère Rudy, je suis capable de mettre le téléphone, numéro de téléphone, je suis capable de cause avec lui, et nous avons besoin d'autres emails. Okay? Nous besoin d'autres comme ça, je suis capable de recevoir le link pour d'autres. Uh, cours. Cool. Amen. Voilà. Merci, Frère Rudy. 5 Le Frère Rudy, je suis capable de causer avec lui. 5-9-6-1-41-40 5-9-6-1-41-40 Et Frère Rudy, pour donner pour expliquer de, euh, qui est euh, façon je suis capable de payer. Ok? Amen. Pour toute l'information, 5-9-6-1-41-40 Ok? Alors, téléphone le Frère Rudy. Uh, le cours est plus disponible à partir uh, entre 2h... De l'après-midi, 3 heures de l'après-midi ici en Amérique. Ok Alors, mon père, on est qu'il a Maurice. Mon père, il est pour environ 8 heures Maurice. Ok <coughs> Non, il est environ 10h Maurice. Mon courant. 10h, soit 11 heures Maurice le soir. Ok Parce qu'il est déjà le end-timer et je peux comprendre. Les... Alors, soit je fais de, 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 euh, direct le site web Raising Kingdom Millionaires ou soit je te cause avec le frère euh, Rudy. Ok Oh, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Voilà, nous avons le deuxième message. Lors, les moyens, tu dis, monde avec moi, les moyens de guérison. Maintenant, lève-toi la main là-haut avec moi et dis avec moi, Jésus, et n'a plus beaucoup de pour guérir moi, qui Satan, et n'a pas de moyen pour rendre moi malade. Redis ça encore une fois, s'il vous plaît. Jésus-Christ, et n'a plus beaucoup de moyens pour ma mo guérison, qui Satan, et n'a pas de moyens pour rendre moi malade. Amen, amen, amen. La Bible dit comme ça que le péché, t'y abonde, tu en abondance. Amen. La grâce de plus en abondance. Jamais, 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 Satan n'a plus qui, Jésus. Amen. Jamais Satan n'a capable n'a plus qui, bon Dieu. Amen. Alors, à nous prier maintenant, nous couper de la tête et nous rentrer dans la parole de Dieu rapidement, ce soir, mes frères et mes sœurs. Amen. Madame, je vais prier pour moi. Aujourd'hui, c'est là mardi, là, c'est mon 15e message depuis dimanche. 15e. Message depuis dimanche. Amen. Et, et maintenant encore euh, pour faire plus tard vendredi, maintenant encore et samedi, dimanche, maintenant encore. Ok. Alors et la semaine prochaine, me prend en Afrique. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours pour prêcher. Alors, alors, nous dans la tête, de nous prier. Merci Seigneur pour ta paroles Nous demandons toi Seigneur ce soir que tu aider nous pour comprendre la parole de Dieu. Nous demandons toi Seigneur grand Dieu, grand saint esprit qui te peut ouvrir. Les oreilles de ton peuple, pour que je capable de comprendre, écoute la parole de Dieu, j'ai l'intelligence pour que je capable de comprendre, j'ai l'église pour ouvrir, afin que capable de trouver un grand trésor de la parole de Dieu, et j'ai le cœur ouvert pour recevoir la parole de Dieu, la parole de la foi, la parole de la victoire. Me demande-toi, Seigneur, grand Saint-Esprit, ce soir, qui te pour, oui, mon langue, pour que Pave prêche l'évangile à ce peuple merveilleux. Au nom puissant de Jésus-Christ, amen, amen, amen. Alors, rapidement, ouvrez-nous la Bible encore une fois dans Luc chapitre 8, le verset 36. C'est ça, nous, euh, l'écriture de base, qui nous commence depuis mardi. Luc chapitre 8, le verset 36. Maintenant, nous ferons quelque chose en série. Amen. Nous enseignons de autres thème en série afin qu'ils soient capables d'avoir une profondeur dans la parole de Dieu. Écoute bien mes frères et mes sœurs. Euh, les besoins arrivent à un moment dans la vie que tu es capable de but de la foi, l'ôte la parole de Dieu par toi-même. Amen, amen. Il est bien bon que nous sommes capables d'avoir ancien de l'Église pour prier pour nous. Il est bien bon que nous sommes capables d'avoir un pasteur qui capable prier pour nous. Mais qui te peut faire quand tu es dans une situation de tout seul et te trouves dans une situation critique? Tu te disais qu'on utilise la foi, tu te disais qu'on est comment de la parole de Dieu et tu te bien qu'on comment servir la parole de Dieu comme l'épée double tranchant de l'esprit afin qu'il te capable de coupe la tête de Satan. Coupe la tête de malédiction. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Alors, Luc chapitre 8, nous pouvons lire le verset 36. Et nous prenons le temps pour mettre les, euh, <coughs> comme si on mettait un bloc, un bloc, un bloc, un bloc, afin que la fondation de la case soit capable, solide. Ok, Luc chapitre euh, qui dit ça? Chapitre 8, le verset 36. Luc chapitre 8, le, nous l'avons le verset 25. Cet homme qui est possédé là, Gadarénien, Amen, il est délivré de, euh, de, ce, de ce souci. Il a un problème spirituel, il a un problème mental, et il a un problème physique. Vous aurez encore une fois Vous avez besoin comprendre ça. Cet homme, il a un problème. Ce problème, il a trois niveaux. Il a un problème spirituel, il a un problème avec un esprit, il est possédé par un esprit qu'on appelle Légion. Okay? Alors, ce problème était spirituel, mais non simplement que ce problème était spirituel, mais il manifestait mentalement. Parce qu'il nous trouvait qui, la Bible dit nous comme ça, dans le verset 35, le gens allèrent voir ce qui était arrivé, ils verrent auprès, auprès de Jésus, et il trouvaient l'homme de qui étaient sorti des démons, voilà le problème spirituel, avec mon esprit, assis à ce pied, vêtu, et dans son bon sens, dans son bon sens, dans son bon la tête. Alors, il y a un problème spirituel qui est manifesté mentalement, je pétale moi là, il pas passe dans son bon sens, et ce problème aussi est physique, il est enchaîné physiquement. Je pétale moi là, et beaucoup de fois, voilà le résultat de, euh, de, de la maladie. La maladie, ce n'est pas ton camarade. mette le dans le Dis avec moi, la maladie, ce n'est pas mon camarade. La maladie, c'est mon ennemi. La maladie, c'est l'ennemi de l'évangile. Je peux moi là. La maladie, c'est pas ton camarade. Dieu et la maladie pas marchent ensemble. Je peux en moi là. Mon mon, mon envie qui te comprends ça une fois pour tout dans la tête. La maladie et Dieu ne pas pas ensemble. Oui, on connaît frère, on connaît pasteur. Je crois bien qu'il ne Dieu ne s'est sa maladie là pour montrer moi, -moi quelque chose, pour enseigner moi quelque chose. Écoute-moi bien, mon frère et mon soeur. Dieu les passe à vie la maladie comme enseignant. L'enseignant de ben croyant c'est le grand Saint Esprit. C'est le Saint Esprit qui Dieu appelle l'enseignant. Amen. Amen, amen, amen. Jésus dit comme ça, quand mon père allait, mon père voyait, un autre consolateur qui pour enseigner tout quelque chose. Alors l'enseignant de l'église, c'est le grand Saint-Esprit. Maintenant, quand toi te dis, quand un pasteur peut dire, Dieu, il amène la maladie pour enseigner toi quelque chose, ce qu'il peut dire, c'est que le, le ministère de, du grand Saint-Esprit, n'est plus utile maintenant. Nous n'avons pas le droit de dire ça. Nous n'avons pas le droit de dire ça. Est-ce je peut comprendre moi-là Alors la maladie et Dieu n'y pas pas ensemble. Amen. 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 Dieu n'y pas utilise la maladie pour enseigner ce bon enfant enfants chose. Dieu utilise la parole de Dieu pour corriger nous. Est-ce que je pétale moi là? <coughs> Amen. Lève-toi, mais là, avec moi et dis avec moi, Dieu lit, utilise la parole de Dieu pour quoi? Enseigne-nous, pour corriger nous. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Alors maintenant, alors nous comprenons qui? Voilà le but. Résultat de la maladie dans nos corps, il affecte nous dans nos esprits, dans nos lames, amen, et dans nos corps. Ok. <coughs> voilà, voilà. Maintenant, nous quittons le verset 36. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent comment, comment le démoniaque avait été guéri. Mon esprit qui l'a bible en anglais dit comme ça. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontait le moyen dont le démoniaque avait été guéri. Le moyen. Alors maintenant, un nous de scène dans le livre de Matthieu, s'il vous plaît. Dans le livre de Matthieu. Euh, merci Seigneur. Dans le livre de Matthieu, s'il vous plaît. Merci Seigneur. Nous pouvons trouver qui Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Le moyen de guérison. Hallelujah. <coughs> Au fait, euh, nous lisons ça encore. Mathieu, s'il te plaît. Mon vie qui te comprend ça. Le bisan établit dans ton esprit, dans tes pensée, que Dieu n'a a beaucoup moyen pour guérir. Zot. Tu dis, mon Dieu, ça avec moi. Dieu en a plus de beaucoup de moyen pour guérir moi. OK? Merci Seigneur. Je vais Matthieu et puis nous pouvons lire Acte des apôtres. Matthieu. <coughs> Acte des apôtres, chapitre 4. Et puis nous pouvons lire Matthieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. <coughs> nous lisons après, d'abord, Acte de apôtres, chapitre 4. Merci Seigneur. Acte de apôtres, chapitre 4. Et moi, pour moi, la deuxième partie, l'eau, le moyen de guérison. Dieu a beaucoup moyen de guérison. Acte des apôtres chapitre 4 le verset 9 il dit nous comme ça puisque nous sommes ça pierre qui peut causer là nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade nous trouvons qu'il la guérison il y a un bienfait dis ça avec moi la guérison c'est le bienfait de Dieu rédigez encore une fois la guérison c'est quoi le bienfait de Dieu sur un bienfait accordé à un homme malade afin que nous disons comment en anglais the means the means ok Comment il a été guéri, le moyen dont il a été guéri. OK? les le comme ça. Sachez-le sachez tous que tout euh, le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ. Voilà le moyen dont cet homme paralytique, depuis sa naissance, l'a guéri. L'a guéri à travers le nom. Le moyen, c'était à travers le nom de Jésus-Christ. OK? Maintenant, dans le livre de Matthieu, s'il te plaît. Dans le livre de Matthieu. Merci, Seigneur. Merci Seigneur Matthieu. Merci, merci, merci. <coughs> ok, plutôt c'est le mot dans, dans, le livre, dans le livre de Luc, chapitre 5. Hein. Au lieu de Matthieu, Luc, chapitre 5, le verset 18. Luc, chapitre 5, le verset 18. Ok. <coughs> Luc, chapitre 5, le verset 18. Merci Seigneur. Bienvenue comme ça. <coughs> Nous l'ai le verset 17. Un jour, Jésus enseigné, de pharisiens et de docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de, la, et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Écoute bien maintenant. Guette bien maintenant. Guette ça bien là. Hein. toi, euh, donne-toi 11 façons, onze moyens de guérison aujourd'hui. Ok? 11, moyen de guérison. Guette bien le verset 17. Un jour, Jésus enseignait, de Jimundia enseignait, de pharisiens et de docteurs de la loi étaient là assis, venus de tout le village de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem, et la puissance du Seigneur se manifestait par de guérison. Je tente ça là? Maintenant, moi, vite, souligner, ça dans toute la Bible, la puissance du Seigneur manifesté par de guérison, mais comment les manifester à travers l'enseignement Jésus, tu peux enseigner. Jésus, tu peux enseigner. Alors, comprends bien maintenant, un des moyens que Dieu pour guérir nous, c'est à travers l'enseignement. Qui fait là que l'enseignement C'est pas c'est pas simplement donner de l'information. L'enseignement, euh, c'est la formation des jeux de pensée. Je te là, la formation de je l'esprit, je l'âme et je le corps. Maintenant le verset 18. Voici deux gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchant à le faire entrer et à, la, et à le placer sous ses regards. Okay? Comme il ne savait pas où l'introduire à cause de la foule, il montre sur le toit. La Bible anglaise dit comme ça, je peux redescendre. « Pour amener-le devant Jésus, pour introduire-le devant Jésus. »« Je peux ban » En anglais, « They sought means. »« They sought means. » Alors, trois fois, nous trouvons cette expression « Je peux ban » Alors, maintenant, toi, maintenant qu'il en trouves ça trois fois dans tout euh, Nouveau Testament, Arrête, rodban moyen qui fait te papougain te guérison, qui fait te papougain te miracle, qui fait te papougain te percer, mais plutôt rodban raison, rodban moyen qui fait te papougain te guérison. Amen. Te mon djia avec moi. Moi, me mo pas rodban moyen qui fait me papougain, me guérison, mais moi me mo rodban moyen, me mo connaît et n'a plus beaucoup et n'a plusieurs moyens. Pour me recevoir, mon hein, guérison, mon miracle et mon percée. Amen. Que le nom de Dieu soit loué. Amen. Ok, maintenant, qui nous trouve ça? Nous ne trouvons ça qui Il dit hein, trois fois. La Bible dit comme ça. Hein, la fondation de deux ou trois, l'écriture, tout ce qui se peut être établi. Nous donnons trois. Amen. Trois. Maintenant, nous guettons dans nous la Bible. Comment Jésus, qui ben moi, est un utilisé dans le Nouveau Testament, qui est disponible pour toi, pour te capable de recevoir la guérison. Maintenant, me promène toi toi vers onze moyens qui nous trouvaient dans la Bible. Et non, les autres encore, mais ça onze là, les principal. Ça onze là, les principales. Ça, je pétale moi, mes frères et messieurs. Je suis capable de donner 12 à 15. Peut-être je suis capable de donner 12 aujourd'hui. Mais 11, nous met ça 12 là. Le 12 disciples. Les 12 disciples, ou soit le 12 moyen de guérison. Je pétale moi là. Amen, amen, amen. Tu dis, dis avec moi. 12 moyens, 12 disciples de guérison. D'ailleurs, si je peux écouter. Bon, ça, ce week-end-là, si je peux si faire le cours uh, Time Management Manifesto, on peut expliquer ça, le 12 disciples de Time Management. Alors, écoute bien maintenant. Alors, on vous dire 12, 12 moyens de, euh, de guérison. Je parle là. Alors, écrivez dans votre cahier. Premièrement, il n'est pas dans l'ordre de l'importance, les tout important. OK? Nous te connais qui moyen prédominant de guérison dans le ministère de Jésus-Christ était à travers de la foi. À travers de la foi. Ben, nous avons ça dans Marc chapitre 5, s'il vous plaît. Marc chapitre 5, nous pouvons écouter qui Jésus dit. OK? Je connais sa femme avec la perte de sang. Get le verset 30, qu'il dit à nous là. Le verset 30. Nous pouvons le verset 30 à 34. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force, la Bible anglaise, une puissance. Mais nous comptons cette mot, la force. La puissance de Dieu, tu dis mon Dieu avec moi, la puissance de Dieu, c'est ça même, la force de Dieu, qui force la maladie en Dieu dans le corps, qui force dépression en Dieu nous penser. Je pète moi là, la puissance de Dieu, l'onction de Dieu, il y a un troublemaker. Il y a un problème pour Satan, il y a un problème pour la maladie, il y a un problème pour l'affliction ben, euh, qui tourne dans notre écho. Il y a la force. Alors combien bien, Écoute bien maintenant. Le verset 30. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie. Alors écoute bien maintenant. Les... Pour être capable, éradique. La maladie, malédiction ancestrale, générationnelle, en Dieu, système, te, te bise la force de Dieu. Tu peux moi là? Maladie, malédiction, le cabossés et fuir, hein? c'est la force plus forte qu'il y C'est pour cela que Jésus-Christ dit que quand l'homme le plus fort est rentré, il détruit l'homme fort. L'homme le plus fort. L'onction de Dieu, la puissance de Dieu. Je peux être moi, là L'onction de Dieu, la puissance de Dieu. Amen. C'est la force qui peut tirer la maladie subitement dans tous les corps. Je peux comprendre, moi ma? Je peux comprendre, moi, mes frères et mes sœurs Amen, amen, amen. Alors, écoute bien maintenant. Qu'une force était sortie de lui. Maintenant. C'est la force-là, une sortie de Jésus. Et il rentre dans le corps de cette femme qui pousse la maladie en dehors. Femme là, il ne connaît comment tire la force, la puissance de Jésus qui rentre dans ce le corps et pousse la maladie en dehors de ce le corps. Moi, comme ça. Sa femme là qui Tradition, j'ai comme ça, qui son nom Véronica. Véronica, il connaît comment tirer la puissance, la force, l'onction du corps de Jésus, de Jésus, qui ça maintenant rentre dans ce corps, et ça la force là, maintenant pousse sa maladie qu'il tient pendant 12 ans là, en Dieu sur le corps. Donc comprends moi là? Mon spirit peut trouver dans la tête, dans tes pensées. Mon père de toi, un portrait qui sa femme-là, une récit, pour se toucher, tire la puissance du, du, du corps de Jésus-Christ pour venir dans ce l'écho, qui pousse la maladie en Dieu sur l'écho. Je peux comprendre moi? Alors, ses disciples lui disent Tu vois la foule qui te presse et tu dis Qui m'a touché. Et il regardait autour de lui pour voir ce, qu avait, ce qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit quest que la Bible dit Qu'est-ce qu'il dit dit comme ça Ma fille, ta foi. Ma fille, ta foi. Ta foi. Tu dis, ta, ta foi. Maintenant, dis avec moi ma foi. Ta, ta foi t'a sauvé. Dis avec moi, moi la foi les pousse sauve moi. Alors, écoute bien maintenant. Maintenant, moi, on vient de mettre une connexion entre la foi, amen, et la force. La foi et la force. La foi et la force. Tu dis moi, dis avec moi, la foi, amen, y attire la force de Dieu qui pousse la maladie en dehors de mon corps. Je peux te là? C'est la force de Dieu qui pousse la maladie en dionne le corps. Mais la façon qui nous capable gain cette force qui pousse la maladie, dépression, euh, maladie ancestrale, générationnelle en de le corps, c'est la force de Dieu. La seule façon qui nous gagne, c'est à travers la foi. Je péterne-moi là. Alors écoute bien maintenant. Mais la foi dans quoi La foi dans quoi Dieu, citant si en l'envie de nous, les plus qui nous gagnent nos guérisons, qui nous-mêmes nous ont envie de nos guérisons, nous pour donner toi douze moyens dont tu capable de, recevoir, donc de recevoir la guérison. Alors, nous avons commencé depuis la semaine dernière, depuis mardi plutôt, nous avons découvert à travers Marc chapitre 5, nous pouvons le verset 21, Jésus dans la barque regagna l'autre rive où une grande foule s'assembla. Près de lui, il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière :« Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui le main. Viens, impose-lui le main. » Alors nous trouvons le niveau de la foi. Le moyen donc, qui euh, j'arrive pour recevoir ce percé, ce miracle, c'était à travers l'imposition de main. L'imposition de main. Alors, un de un euh, moyen principal à travers qui nous peut capable recevoir la guérison, c'est à travers quoi À travers l'imposition de main. Et la Bible dit comme ça. Le verset 24, Jésus s'en alla avec lui. Il n'est pas de la guerre avec lui. Il n'est pas dit, mais qui ne fait de pas prier Qui ne fait pas être pasteur, un tel Non, 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 non. Il dit, j'ai arrêté, il dire comme ça, mollet, guérir mon guérison, mon miracle, à travers l'imposition de main, Jésus pas de la guerre avec lui. C'est peut-être là. Ce niveau de la foi, ce contact de la foi était à travers l'imposition de main. Alors, nous descendons maintenant, nous guettons l'autre, OK, dans même, dans même chapitre, le verset 25. Or, oh, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins, elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement car elle disait, la Bible euh, originale en grec, Dieu nous comme ça, elle disait continuellement, il peut confesser continuellement. Amen. Si je suis capable tout ce, le bord de ce vêtement, je peut être guéri. Maintenant, écoute bien maintenant, je n'ai pas de la guerre avec lui, il peut dire comme ça, il peut continuer à confesser, il peut continuer à confesser qui, si nous sommes tout ce vêtement, nous pouvons être guéri. Alors, deuxième moyen à travers qui nous capable de recevoir la guérison, c'est à travers notre confession de la foi. Tu dis mon Dieu avec moi, mon, mon confession de la foi. Amen. Amen, Amen, Amen. Tu dis mon Dieu avec moi, confession de la foi. Amen. Merci Seigneur. Alors, Écoute bien, premier, un premier moyen de trouver, c'était quoi L'imposition de main. Deuxième moyen, soit deuxième disciple de guérison, c'est quoi Confession de la parole de Dieu. Confession de la parole de Dieu, à travers euh, notre confession. Ok, troisième, troisième. écoute bien maintenant, c'est à travers le coût. Qu'ils entendent la parole de Dieu. L'écoute de la parole de Dieu. Alors écoute bien maintenant, nous trouve ça dans le livre de Luc chapitre 5, le verset 15. Nous pouvons trouver ça. Bon, au euh, en fait, nous sommes capables même d'y aller dans Marc chapitre 5, le verset 27. Ayant entendu parler de Jésus. C'est qui Jésus C'est la parole de Dieu. Je pétale-moi là. Ce confession, il est basé lorsqu'il est Je pétale-moi là. Ça qui tu écouté, ça même qui peut sauter dans ta bouche. Tu dis, dis ça avec moi. Ma confession, basée sur l'eau qui m'a pas écouté. Je pétale moi là. Alors écoute bien maintenant dans Luc, qui m'a dit ça. Luc, Luc, chapitre 5, le verset 15. Luc, chapitre 5, le verset 15. Merci Seigneur. La Bible vient de comme ça, le verset 15. Sa renommée se répandait de plus en plus et les gens... Venez en foule pour l'entendre et pour être guéri. Pour entendre et pour être guéri. La femme avec la perte de sang, l'entend. Jésus et l'une vers Jésus pour guérir sa guérison. L'entendre, il précède la guérison. L'écoute, il précède la guérison. Est-ce qu'il s'appelle est « moi là Amen. Maintenant, nous descendons dans le vers, dans chapitre 6. Amen. Chapitre 6. Le verset 17. Le verset 17. Qu'il dit bien nous, mêmes affaires. Amen. Mêmes affaires. Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de disciples et une multitude de peuples de toute la Judée, de Jérusalem et de la contrée maritime de Tyre et de Sidon. Il était venu pour l'entendre et pour être guéri de leur maladie. Alors. Troisième, c'est entendre la parole de Dieu. L'entendre, ou soit l'écoute de la parole, de l'enseignement, les précède la guérison. Nous besoin écouter afin qu'il nous capable être guéris. Nous disons entendre afin qu'il nous capable être guéris. Alors, troisième disciple. Troisième moyen dont nous, nous pouvons recevoir la guérison, c'est à travers quoi À travers l'entendre de la parole de Dieu. Guette bien en maintenant le Proverbe chapitre 4, le verset 20. « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. » Tout paraît quand tu, 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 ben, tu mets de gouttes dans tes oreilles pour que tes oreilles puissent être guéries. Quand, quand tu écoutes la parole de Dieu, quand tu peux entendre la parole de Dieu, c'est comme si ben, tu m'avais mis dans tes oreilles pour amener la guérison dans ton corps. Je moi-là, nous bisons, écoute la parole, nous bisons, entendre la parole de Dieu. Qu'il ne se loin pas de tes yeux, garde-le, garde-le dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui le trouvent, c'est la santé. Le mot santé, en, en hébreu, c'est le mot « marpe », M-A-R-P-E, accent aigu. Le mot « marpe », qui veut dire santé, veut dire médecine. C'est la médecine, médicament pour tout leur corps. Amen, amen, amen. Alors nous trouvons. Troisièmement, c'est à travers l'entendre et l'écoute de la parole de Dieu. L'entendre de la parole de Dieu, le, continuellement écoute la parole de Dieu, il crée une atmosphère de guérison pour toi. Quatrième moyen, quatrième, quatrième disciple. Amen. Nous pouvons trouver aussi. Merci Seigneur. Sa femme-là, il touche Jésus par sa confession. Amen. J'ai un à travers l'imposition de main, l'ingénieur est toucher de Dieu. Amen. <coughs> get dans la <the> Bible maintenant. <coughs> dans le livre de Marc chapitre 5, nous ne pouvons pas trouver Marc chapitre 5, sa femme là in touche Jésus. Maintenant, nous get dans Marc chapitre 6, s'il vous plaît. Marc chapitre 6, le verset 56. Quatrième, pour mettre le toucher de la foi. Amen. Marc chapitre 6, le verset 56. Marc 6, le verset 56. Amen. Marc 6, le verset 56. En quelques lieux qu'il arriva, dans les villages, dans les villes ou dans, ou dans les campagnes, on mettait le malade, le malade sur la place publique et on lui priait de le permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tout ce qui le touchait était guéri. Mais que j'en qu apprends ça dans Marc chapitre 6 J'en apprends ça dans Marc chapitre 5, quand Véronica une touche le vêtement de Jésus-Christ. C'est ça qu'il appelle, Amen, le toucher de la foi. Amen. Tu peux trouver même l'écriture. Amen. Dans Matthieu aussi. Alors, c'est ça qu'on appelle toucher de la foi. Quatrième, se toucher de la foi. Quatrième disciple, se toucher de la foi. Cinquième, cinquième façon, cinquième moyen, cinquième disciple de guérison, ne peut trouver dans 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12, qui nous appelle le don de l'esprit. Le, le don de l'esprit. 1 Corinthiens chapitre 12, s'il vous plaît. Ne pouvons lire à partir du verset 9. Le verset 9. 1 Corinthiens chapitre 12. Au fait, ne pouvons lire à partir du verset 4. Il y a diversité de dons. OK De neuf dons. Mais le même esprit, tout du monde avec moi, le don, Amen, le don, le neuf don de l'esprit, il n'a quelque chose avec le Saint-Esprit. Le neuf don, il n'a, c'est avec le Saint-Esprit. Le neuf don, c'est avec le Saint-Esprit. Le verset, le verset 5, diversité de ministères, mais le même Seigneur. Alors, le Saint-Esprit, lilo le neuf don, les seigneurs, ils ont le cinq ministères. C'est quoi le cinq ministères L'apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et enseignant. Je pète à moi. Ou docteur. Alors, il y a le don, savoir, avec qui Avec le Saint-Esprit. Les ministère, savoir, il y a quelque chose avec le Seigneur. C'est le Seigneur qui est en charge du cinq ministères. Maintenant, les, verset 6, diversité d'opérations, mais le même Dieu. Tu trouves ça là le Saint-Esprit, Dieu le Fils, maintenant Dieu le Père. Dieu le Saint-Esprit, avec le neuf dons, Dieu le Fils, avec le cinq ministères, mais c'est Dieu le Père qui opère, amène tout en tous. Il prend le neuf dons de l'Esprit et les met dans, le, dans tout le cinq ministères. Maintenant, écoute-moi bien. Tu écoute ministères apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et enseignant, docteur, ce qui nous tout bisait et a le don de l'esprit qui travaille, qui opère en nous. Je pète moi là, mes frères et mes à On nous descend maintenant dans le verset 9. Un autre, la foi. Qu'il ne peut redire pas la foi, la, la, foi euh, la, la foi pour le moment. Il n'est pas parce que nous, la foi, qui nous bâtit nous, la foi tous les jours. Non, le, la foi pour le moment, je peux moi là, instant faith, par le même esprit, à un autre, le don de guérison, par le même esprit, et, verset 10, à un autre, le don d'opérer de miracles. Je, je, je trouve ça là. Alors, tu peux trouver qu'il y a parfois y a un ministère, et un évangéliste ou soit un apôtre qui qui opère à, tra à travers des autres, un pasteur qui est capable de faire ce don-là, c'est le don de l'esprit qui travaille, qui opère à travers des autres. C'est quoi? La foi subitement, la foi pour le moment. Amen. Le don de miracle. Amen. Je trouve cela Le don de guérison par le même esprit. Et un autre, le don d'opérer de miracle. Alors, nous trouvons qui Cinquième moyen qui Dieu est capable d'utiliser pour guérir nous, c'est à travers le don de l'esprit, le don de guérison et le don de miracle. Maintenant, tu peux trouver dans toute la Bible qui manquait le don des guérisons. Ça veut dire que tu peux trouver un amant de qui est pour euh, cette ce, l'onction envers Jimoun qui est malade de ce, Tandis que ce don qui Dieu nous donne, ce c'est un don pour. Agir envers Banjimun qui aveugle ou soit Banjimun qui est paralytique. Je peux moi là Maintenant, te baiser que qu d'ici un c'est qui, ça Je peux comprendre moi. Alors, cinquième moyen, c'est à travers quoi Le don de l'esprit, le don de guérison et le don de miracle et le don de la foi subitement. Maintenant, numéro 6, six, sixième moyen, rapidement. Ok, nous à nouveau la Bible dans, dans le livre de Jacques, chapitre 5. Le livre de Jacques, chapitre 5. Nous pouvons trouver Jacques, chapitre 5, s'il vous plaît. Qui la Bible, Janou Maintenant, Ça, nous, sixième. Sixième. Jean, Jacques, plutôt, chapitre 5, <coughs> le verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loyant d'huile au nom du Seigneur, la prière de la foi sauvera le malade. Et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Trouver maintenant onction d'huile. Les poètes. Trouver une façon qui sixième façon à travers quoi nous recevoir la guérison, c'est à travers l'onction d'huile. L'onction, l'icome balme, balm. Je peux à moins. Amen. La Bible appelle le Seigneur the balm of Gilead. L'huile, l'onction de Gilead. Je pète moi, mes frères et mes soeurs Maintenant, qui fait nous faire l'onction d'huile Maintenant, nous connaissons qui dans le Nouveau Testament, nous ne peine pas pour faire pour le sabbat, nous pas pour faire God, fête d'Israël, malgré qu'il nous, nous comprend, nous 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 ça veut dire quoi Je pète moi. Mais il y a trois choses importantes qui nous faisons faire dans le Nouveau Testament, dans l'Église. C'est quoi Le baptême dans l'eau, communion, la communion, la sainte scène, et aussi quoi L'onction d'huile. Ça trois choses-là fait nous guetter à l'arrière ce que Jésus-Christ a accompli à la croix du Calvaire. Tandis que dans l'Ancien Testament, le sabbat, ban fête, ban ben, ben jour spécial, amen, c'est pour, 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 nous pointe-nous vers l'avenir, vers le futur, vers la croix dans l'avenir. Mais maintenant, ne pas pas la croix dans l'avenir, nous guette la croix dans le passé. Alors le baptême d'eux, la communion et, et aussi l'onction d'huile, fais nous guette par l'arrière que Jésus-Christ est fait Jésus pour nous. Amen, amen, amen. Alors sixième moyen, tu dis-moi, avec moi, sixième moyen à travers quoi, à, à travers quoi nous capables de recevoir, nous guérisons, c'est quoi l'onction d'huile Septième façon, nous capables de recevoir l'onction d'huile. Nous capables de recevoir nos guérisons, c'est à travers la communion, la sainte-sainte. Nous -Sainte. trouvons ça dans 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11. Amen. <coughs> Merci Seigneur. Nous lisons maintenant <coughs> à partir le verset 23. Quand j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, ce que le Seigneur Jésus dans la nuit, « Où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. »« De même, après souper, il prit la coupe. » Ça fait nous rappeler qui, qui Amen. Le pain et le vin. Ça fait nous rappeler Melchizedek avec Abraham. Je pétale moi là. Amen. « Ce coupe et la nouvelle alliance. » Ce coupe est quoi La nouvelle alliance. En mon sang, faites ceci en mémoire de moi toute les fois que vous, vous en boirez. Car toute les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Ce pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc se prouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Mais c'est pour cela qu'il y a parmi, parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Alors nous trouvons qu'à travers la communion, la sainte -Sain, les poètes aident les gens qui infirment, ceux qui sont malades, et ne pas besoin de la mort subite. Je pète moi mes frères et mes sœurs. Amen, amen, amen. Alors, septième façon, septième moyen, septième disciple de guérison, amen, c'est à travers la Sainte-Sainte. Ne pas prendre lit religieusement tous les dimanches, non. Quand nous prenons la communion, au fait, tu pas obliger à aller dans l'église pour prendre la communion. Tu es capable peux directement dans ta la cage, toi-même. Amen. Au fait, tu es capable de prendre, en fait tu es capable de prendre la communion tout le jour par toi-même. Rappelle que Jésus-Christ, il fait pour toi l'eau, la croix du calvaire. Je pétonne moi là, mes frères et mes soeurs. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Alors, septième moyen. Septième disciple de la guérison, c'est à travers la Sainte Seine. Maintenant, huitième moyen, écoute bien maintenant. Huitième moyen, acte des apôtres chapitre 4, le verset 9 et 10. Pierre Pécosé, Pierre Pécosé, qu'est-ce qu'il dit à nous comme ça Merci Seigneur. Acte des apôtres chapitre 4, le verset 9 et 10. Puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, Verset 10, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, ce par le nom de, de, de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, et que Dieu a ressuscité de mort, ce par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Amen. Alors, Amen. Huitième façon, Amen, nous capables de recevoir, nous guérisons, huitième disciple de guérison, c'est quoi? Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Et dans Actes des Apôtres, chapitre 3, nous trouvons ça manifesté devant nous. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 3, le verset 4. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit Regarde-nous. Le verset 5. Il regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose recevoir d'eux quelque chose. Alors, Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et mange. de dis, « avec moi, et n'a puissance dans le nom de Jésus. » Marc, chapitre 16, s'il vous plaît. Marc, chapitre 16. « Guette qui Jésus-Christ peut dire à nous. » Marc, chapitre 16. Nous pouliez maintenant <coughs> <coughs> Le verset 17. Le verset 17. bien comme ça. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. En qui nom Le nom de Jésus-Christ. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Amen. Ils imposeront le main aux malades. Quoi Dans le nom Dans son nom les malades seront guéris. ça là Alors, huitième façon, c'est à travers le nom de Jésus-Christ. Maintenant, neuvième façon. Neuvième façon. Ok, neuvième façon. Nous redescendons dans Jacques, chapitre 5. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Jacques, chapitre 5. Qui la nous genou Qui la nous le verset 14, Jacques, le demi-frère de Jésus-Christ dit comme ça, quelqu'un parmi vous est-il malade Qu'il appelle les anciens de l'église. Amen, et que les anciens prient pour lui en l'oignant d'huile au nom du Seigneur. Le verset 15 est la prière de la foi. La prière sauvera le malade. Alors maintenant, ne bien façon à travers qui nous recevoir notre Guérison, nos guérisons, c'est à travers quoi? La prière. La prière de la foi, la prière de binding and loosing, Amen. La prière d'accordité, je pète un mot là, la prière. j'ai avec moi, il y a une connexion entre la prière et la guérison. Au fait, première fois qu'il nous trouvait dans la Bible, que la Bible montre nous l'exemple qu'un jimon peut prier. Pour une personne, c'était Abraham qui peut prier pour le roi afin que ce bonne femme capable d'être guérie. Amen. Ce pétale-moi-là, Amen, Amen, Amen. Ne peut trouver ça dans le livre de Genèse. Alors, première fois, maintenant je comprends, mon expliquez-vous... Mon expliquez euh, la loi du premier mention. La loi du premier mention. Get dans Genèse chapitre 20, le verset 17. C'est la première fois qu'il nous trouve un homme qui peut prier pour une autre personne. C'est Abraham qui peut prier pour le roi Abimelech. Genèse chapitre 20, s'il vous plaît. Le verset 17. Genèse chapitre 20, le verset 17. Abraham pria Dieu et Dieu guérit. Abimelech. Alors, première instance, donc, nous trouvons qu'un homme peut prier pour un autre Nous trouvons une connexion entre la guérison et la prière. C'est ça qu'il appelle la loi du premier mention. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Que le nom de Dieu soit béni. Je moi là. Alors, nous trouvons qui 9e, euh... c'est à travers. Quoi à travers la prière. Tout le monde dit avec moi, la prière y amène la guérison. Je dis encore une fois, la prière lui amène quoi La guérison. Maintenant, dixième disciple, amen, dixième disciple, dixième, dixième euh, moyen à travers quoi nous capables de recevoir, amen, <coughs> la guérison. Amen. C'est à travers le commande de la foi. Une commande. Amen. De la foi. Une déclaration. Un décret royal. Je pétale-moi. Jésus-Christ, il est venu dire comme ça Lève-toi, prends ton lit, allez. Je pétale-moi là. Rise and be healed. C'est une commande. Un décret royal de la foi. Je pétale-moi là. Quand tu marches dans ta position de dominion. Amen. Dominion. Alors, nous trouvons ça dans Marc chapitre 11, le verset 23. Et ensuite, nous trouvons ça dans Job chapitre 22, le verset 27. En français, la Bible anglaise, c'est le verset 28. « That shall decree a thing, and it shall be established. » Français français, tu, tu le prieras. Non, en anglais, tu te pour dire, tu peux commander et tu peut être établi. Tu peux commander, tu peux décréter, tu peux déclarer et les poètes être établi. La Bible heureux mettait « tu peux déclarer, tu peux décréter, tu peux donner une commande. Amen. Et ça pour être une, une réalité. La Bible devient comme ça, dans la bouche donne le roi et dans la puissance. Okay. Dieu, Jésus-Christ, il ne fait pas venir les rois. Amen, amen, amen. Alors, dixième façon à travers quoi? Dixième moyen, c'est à travers la de, de, de commande dans de la bouche. Pierre et Nali. Amen. Pierre, tu trouves les pierres pareilles dans Acte de Apôtres, chapitre 3. Euh, tu trouves policier et Nali. Il fait une ben, commande, un ben, décret. Ok, guide dans Acte des Apôtres chapitre 3, s'il vous plaît. Qui est la Bible, dit nous. Pas dire, ah, you get ça? Non, 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 non. Je, je type A ah, dans réunion de prière. Mais avant, je rentre dans la prière, je finis de donner une commande de la foi. Alors, courez, l'Acte des Apôtres chapitre 3. <coughs> J'ai dit comme ça le verset 6. M'opène à l'angeant, à mais <coughs> ça qui est moins me donne-toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lave-toi et marche. Pareil comme Jésus-Christ. Jésus fait une commande, de, 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 une commande un décret. D un, d un, d un décret. Pierre fait pareil, Paul fait pareil, toi aussi, tu disais faire pareil. Ce pétain moi-là, ça c'était quoi Notre dixième. Maintenant, notre onzième, nous onzième, nous nous fait trouver, là. Merci Seigneur, dans le livre. De Luc chapitre, Luc chapitre 5, Luc chapitre 5, 11e, 11e disciples, c'était quoi? Un jour, Jésus enseignait le verset 17 de pharisiens et de docteurs de la loi était là, assis, venu de tout le village de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem, et la puissance du Seigneur se manifestait pas de guérison. Enseigner, guérison. L'enseignement, guérison. Amen, Amen, Amen. Alors, onzième disciple, c'est à travers l'enseignement de la parole. C'est pour cela qui m'ont apprécié que tu viennes écouter la parole de Dieu, tu l'enseignement de la parole de Dieu parce que ça beaucoup de fois me recevoir... le Je connais une fois moi suis dans l'Afrique moi tu vais prendre une douche et tu mis mettre le savon le mot ça tient du lait là, moi... un douleur, douleur. Je pète de moi là, Dieu qui est arrivé là. mais pas dans l'Amérique, mais pas côté moi dans l'Afrique. J'ai eu une douleur là. Je ne me pas rendu Je suis sorti dans la douche. Je suis venu dans la chambre dans l'hôtel. Je me prends une serviette. Je me suis moi bien. Je reviens là. J'ai eu une douleur encore. Je me suis dit, Je vais mettre mon amie là. Elle a une bosse là. 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 Maintenant, toute qualité qualités pensées dans mon... ça périodes, de mettre pas de pensées négatives dans ma tête. Je peux être moi là. Maintenant, tu as envie tu as envie à Google. À Google, qui n'a. Mais écoute, arrête Google. <laughs> Google pour toi. OK Google pour toi, quelque chose de négatif. Je viens de la cage, je prends un avion, je retourne la cage. Je me non, non, ne serai pas, car moi, je gagne trop beaucoup de l'air. OK Je peux okay? crasser 10 ans en même temps. C'était juste avant Noël. OK Avant période de Noël. Je dis, écoute-moi bien, je peux travailler un miracle, je peux avoir une guérison. Vous peux dormir en bas dans euh, Holy Room. Pas de dérangement, s'il te plaît, c'est bizarre parce qu'il y a trop beaucoup de l'air. Tous les jours, 24, le 24, je reste dans ce Holy Room là, que j'ai dans la prière. Je écoute l'enseignement. Tout pareil comme hier soir, je dormi je écoute l'enseignement. Qui fait Parce qu'il y a la guérison dans l'enseignement. Je écoute la parole, je écoute la parole, écoute la parole, je écoute. La parole, écoute la parole. Moi, Gloria Copeland sur Healing School, 24 le 24, un après l'autre, un après l'autre, un après l'autre. Noël vini, douleur encore la même. Boxing Day vini, douleur encore la même. Ok, douleur encore la même. J'ai une fête pour, uh, juste uh, pour le 1er janvier, réveillon. Moi, dans Réunion, ok. De Réunion de réveillon, douleur même. Moi, dormi le 1er janvier, le matin. Comment me lever dans l'après-midi? me lever, je ne peux pas prendre compte, n'a n'ai aucune, aucune douleur. n'a n'ai aucune douleur, n'a n'ai aucune bouche. Comment est je vais aller? Personne ne peut me poser la main moi. Amen. Personne ne peut me faire rien. Je ne peux pas de faire un ancien, un pasteur. Non, c'est à travers l'enseignement de la parole. L'enseignement qui me peut écouter 24, 24. Alors, il y a la puissance de Dieu. Le fait Jésus peut enseigner et la puissance du Seigneur se manifester par des guérisons. C'est un mois là Amen. Ça, c'était 11e. Maintenant, me terminer, je vais, terminer, je vais... Oh, Non, c'est un fini. Écoute, le Merci Seigneur. Merci Seigneur. Guette dans le livre des actes des apôtres, chapitre 19, s'il vous plaît. Actes, des apôtres chapitre 19. Ne pour finir avec ça, Ce deuxième disciple. Acte 2 apôtres chapitre 19, le verset 11. Le verset 11. Et Dieu faisait de miracles extraordinaires par le main de Paul au point qu'on appliquait sur le malade de linge ou de mouchoir. Qui avait touché son corps et les malades, les maladies le quittaient <coughs> et les, les esprits malins sortaient. Je trouvez là, ça s'appelle un ben point of contact. Deuxième, c'est à travers un ben point of contact. Mouchoir qui sortait dans le corps de l'apôtre Paul. Amen. Et aussi ce ben linge, en anglais c'est sur, euh, sur apron, ok. Touche le dijon et je être guéri. La Bible donne comme ça. Aussi get uh, dans, euh, dans la Bible, dans le livre des Actes des Apôtres, ne peut trouver The Shadow of Peter. Okay? Merci Seigneur. Merci Seigneur. <coughs> Actes des Apôtres, chapitre 5, le verset 15. C'est ça qu'il appelle le ben point, ben point de contact. Actes des Apôtres, chapitre 5, le verset 15. Le verset 15, j'ai lu comme ça vous pouvez apporter le verset 14, le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait le malade dans la rue et qu'on le plaçait sur le lit de couchette, afin que lorsque Pierre passerait son ombre, au moins couvrit quelques-deux, et le... je pourrais de guérison. Je t'envoie là. La multitude accourait aussi de villes, de villes voisines à Jérusalem, amenait de malades et de gens, amen, par des esprits impurs, et tout était guéri. On appelle ça. 12, on appelle ça contact de la foi. Contact de la foi. Voilà, moi, nous sommes 12 disciples de guérison. Amen. 12 disciples. Qui s'en a capable créer ces 12 disciples Numéro 1, c'était quoi Imposition des mains. Numéro 2, confession de la parole de Dieu. Troisième, l'écoute ou l'entendre de la parole. Quatrième, toucher de la foi. Cinquième, don de l'esprit. Amen. De guérison et des miracles. Sixième, c'était quoi L'onction d'huile. Septième, la Sainte-Seine. Huitième, le nom de Jésus-Christ. 9e. la prière. donne moi 10, c'était quoi 10, c'était quoi 10, 11, 12. Cosé 10, 11, 12. C'était commande de la foi commande d'écrit royal. Amen. Onze, c'était quoi? L'enseignement. Et Douze, c'était point de contact. Point de contact. Ce pouce-là parfois, bande pasteur, pour prier le bande mouchoir, le bande vêtement, pour poser coup coupli, avouer qui diabolique malade, parce que parfois ne pas capable d'aller dans l'hôpital, mais nous avouer un point de contact. Point de contact. Voilà, messeur Gains douze moignent de... Amen. 12 moyens de guérison. Voilà, merci mes frères et messieurs. N'oublie pas que uh, Time Management Manifesto est disponible à partir de 2h, en 2 heures et 3h de l'après-midi ici. Okay? Maintenant, je vais la différence time difference, les law les, 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 uh, and timelines. Il est disponible ce soir Vous êtes dans Maurice ou soit ce soir dans l'Angleterre. Alors, ceux qui n'est qu pas encore euh, abonné pour ça, c'est le deuxième cours. C'est Level 1, Time Management Manifesto. Tu comprendre beaucoup, beaucoup de choses. OK? Alors, s'il vous plaît, pour last minute booking call, appelle le frère Rudy. Ce numéro 5 -9 6 1 c'est 5961-4140. 5961-4140. Il peut nous faciliter qu'il soit capable de faire le paiement. Sinon, tu es capable de aller directement au site web Raising Kingdom Millionaires. .com Et je te fais ce versement direct. Maintenant, nous avons besoin, et nous une je ne prends rien mais je ne vais pas mettre ce email, je vais mettre un autre email, je vais mettre un autre Jimoun. Ok? Nous ne pas pas ce email, je vais donner ce email bien pour nous capables de faire ça. Ok? Je vais donner ce email bien clair. Alors, envoyez-moi un message en privé, s'il vous plaît, tout ce qu'il finit faire, finit de prendre. Amen. Donne-moi ce email direct, comme ça nous sommes capables de faire ce link pour ce cours. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Que le nom de Dieu soit béni. N'oublie pas encore. Amen. N'oublie pas encore. Ce qui n'est pas encore. Ça, est gratuit. Faith Life Radio. Tous les semaines, tu un nouveau podcast. Au fait, si tu es abonné maintenant, tu Lola, tu peux lire. tu as, as une, beaucoup de prédications qui sont pour être. Jeune. Alors que Dieu vous bénisse. Tu peux encore venir partenaire. Venez partenaire avec nous. Nous pouvons commencer un nouveau chaîne, Roku. Amen. Je ne sais pas si vous Netflix. Je prends une prédication 24, l'eau 24, l'eau là. Alors, s'il vous plaît, c'est qu'une abonnés, abonné, qui vous êtes payer payer pour le cours, envoyez-nous votre e s'il vous plaît, votre email afin que nous puissions l'envoyer. Que Dieu vous bénisse. Après, si vous beaucoup, Dieu n'a plus beaucoup de pour guérir toi qui s'attend et n'a pas de moyens pour rendre toi malade. J'espère que vous comprenez quelque chose. Que Dieu vous bénisse. Bye-bye.